Allez, c'est reparti. Et bonsoir, bienvenue sur Bacal Live, le live où on continue nos aventures sur Suikoden 2. Il y a 6 secondes, on écoutait du sorceleur pendant que je faisais pipi. Et j'ouvrais mon courrier. Et cette fois, on va aller battre Nick Lord. On va lui mettre la nuque dans le Lord, tu vas voir, moi. C'était pas ma guerre. Voilà dans le château. Avec des zombies partout. Bien, il est le temps de tuer le vampire. L'épée du dragon ne m'abandonne pas. Stupide sac de chair. Bien, d'abord il faut trouver l'endroit où se trouve Necklord. Je sais comment sceller les pouvoirs de Necklord. Allez, on rentre, Bacal. Ok. Encore visiter mon château. Ouais. J'aime bien parce qu'en fait, pour cacher le fait que c'est déjà prêt à la gauche, je peux pas y aller. Le nombre de fois on va passer ici qu'il y aura plus les buissons. Du coup. Fire. Qui est pas si grand que ça, du coup. Au premier château de Necklord qui était super long. Elle est énorme l'animation de ce monstre. Ah, je kiffe. Comme dans sa mort, la cape tombe au sol. Ils auraient dû la laisser une seconde au sol, tu vois. Déjà, ça t'aurait mis des doutes, et puis... Bah, t'es cool. Pierre de défense magique. Zombie! Cerveau! On a oublié de descendre. Qu'est-ce que c'est censé être? Censé représenter un truc ou pas? J'arrive pas à m'en rendre compte.
The Witcher. Oh, Valley of Plenty. Oh, Valley of Plenty. Whoa. Quelle peut être l'énigme? Indéchiffrable. Qui pourrait avoir l'intelligence de comprendre cette énigme? Cette brillance, pas qu'elle. D'accord, une fois que t'as allumé un truc et que t'as ouvert, c'est fini. L'énigme, plus rien. Mettez-moi 2-3 monstres quand même. Respectez-vous, les gars. De maille. J'aime beaucoup la déco, mais ça manque un peu de monstre quand même. Antitoxine, j'arrête pas de les jeter depuis le début du jeu. Oh oui! Ça, c'est un décor qui est magnifique.
Je vous ai attendu, Victor, épée du dragon, et... Oh, si ce n'est pas le garçon des Marleys, je suis content que tu sois venu. Entre l'épée du dragon et les secrets de la chasse aux vampires de la famille Marley, ton temps est compté, vampire. En effet, sois prêt à mourir. Attendez. Ne soyez pas si pressé. Je comprends que... J'ai ma propre idée, moi aussi. C'est pour ça que je vous ai invoqué. J'aimerais vous présenter quelqu'un. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu te sens nostalgique? Son nom, c'est Daisy, je crois. Bâtard. Alors, est-ce que tu abandonnes? Donne-moi l'épée du dragon et je te laisserai avec cette fille. Et Victor. Daisy. Ne lui donne pas l'épée. Victor, si nous perdons la rune de la nuit, nous ne serons plus capables de vaincre Necklord. Victor, aide-moi! Qu'est-ce qui se passe? Donne l'épée. Épée du dragon. Qu'est-ce qui te plaît? Beaucoup d'années sont passées depuis. C'était il y a très longtemps, et je peux à peine me rappeler ton visage. Bien. Écoute-moi, buveur de sang. Je sais très bien qu'une fois la personne morte, elles sont parties pour de bon. Voilà ce que je fais avec ton petit... cette petite mise en scène. Allons-y, mon pote. Eh, fais attention à comment tu m'appelles. Allons-y, Bakel. C'est le moment de le détruire. Toi. Bien, en tout cas, nous avons plus de choses à nous inquiéter que ça. Donc je suis désolé. Attends. Adieu, on se rencontrera de nouveau. Il va revenir, Victor.
Qui te répond? T'as des preuves? Non. Tu peux le prouver? Non mais franchement, n'accuse pas les gens comme ça. So come to the Witcher for Valley of Plenty. Heureusement que t'as pas écrit sur Twitter que tu voulais des graphismes pour faire des trucs gratuits, pardon, parce que t'allais te faire insulter. Hein. Trop faible en niveau. Thank you.
Si on le tue pas vite, le combat durera pas très longtemps. À mon avis, le combat durera plus très longtemps. On va survivre 15 secondes de plus. Et puis après, on va aller farmer. Je lui enlève 0. Jamais on abandonne. Jamais. On perd. Souvent. On trébuche. Régulièrement. Mais on n'abandonne pas.
On est parti pour un peu de farming, hein, pour encore une demi-heure, et puis après je reviens.
Y'a rien au sud, même pas un petit village, un truc. En général, quand t'arrives à atteindre un village un peu plus loin dans l'histoire, normalement, t'arrives à choper 2-3 trucs sympas. Même pas que le mur au sud. Pourquoi pas ça? Je crois que je suis déjà passé dans le coin. Thank you.
Merde, Clive est parti. Ça devait pas être là qu'on devait le recruter. Bonsaï. Ah ouais, non, mais j'avais un gros déficit en défense en fait.
J'ai plus de sous! Pas grave, j'ai pas tout. On va faire un tour à l'hôtel. On va faire 2-3 combats. J'arrêterai le live pour l'instant. On se retrouvera demain pour la suite de notre aventure. Je vous amène dans votre chambre. Ah, je pourrais le mettre sur la Vita et demain je pourrais farmer au travail. Où est la Vita? À une époque, elle était branchée sur le meuble télé. On verra après le truc. Il nous reste encore un peu de farming à faire. Ma cible.
J'ai laissé mourir. Et des lapins noirs en moins. Voici une séance de farm très peu productive. À part pour les lapins. Pour le fait qu'on a récupéré un peu de thunes. Ah, la thune, c'est bien. Il faut savoir le reconnaître. C'est pas là qu'il y avait un fabricant d'armes. C'est l'auberge. C'est chez mon chouchou. Peut-être dans la ville du port, hein. C'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas monté. El soldato. T'as le droit de taper dessus aussi, hein. T'es pas obligé de taper devant. Aussi avec tes couteaux. Yeah.
Eh ben. C'est l'équipe W que j'ai pris. Ah oui. J'ai envie de t'encourager, mon Alu, mais tu veux pas de mon aide, donc. Le prout. T'as déjà vu mes dessins à moi, un mal levé à moi, à Lucarne? Bon, ils sont très rigolos aussi. Je dessine très bien les Monsieur Bâtons. Ah, c'est moi que tu traitais d'idiot du village? Ah bah ouais, bah beau, hein. Alors, on la sent l'amitié, hein. Bon, sinon, quand personne se sera proposé, parce que il y a quand même que 6 personnes sur ton Discord, à un moment c'est un peu limité comme. Ouais, je sais pas dessiner, mais je sais détourer des images sur Photoshop. Pas toutes très bien, mais.
Tu vas mettre une rousse dessus? Ah, si une rousse, ça serait une bonne surprise. C'est ici qu'on va finir le live, les amis. Moi, je vais continuer à farmer un peu. Et je vais surtout préparer ma nourriture pour demain. Et ressortir la Vita aussi. Pour la brancher. Histoire de pouvoir farmer demain au boulot. Et de continuer à tourner en rond. En rond et en rond et en rond et en rond. Échec des jeux. Et bon, déjà on aura un peu plus de défense. Ça devrait déjà pas faire de mal. Puis oh, un cœur. Back à elle live. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. On se retrouve demain. Je vous fais des gros bisous.